puisse arriver à installer un gouvernement en dehors de la loi. Et deuxièmement, ça puis grave la louco et puis qu'on victoire. Ouais. C'est que moun qui pas qu'à manger, yo, moun yo eleva nu pied, yo, moun yo pas prend pour moun yo. Yo arrivé, tenez bien, oui. Mm-hmm. Yo arrivé pour traîner Jovenel Moïse pour pas al parler Nations Unies. Vous m'avez dit ça fort. Tenez bien. Tenez bien. Ouais. Jovenel Moïse. Dans quelle manifestation vendredi dernier, hein, il était clair. On te dit que Jovenel Moïse n'est pas prêt à le représenter le peuple haïtien. Hein. Et tout gymnastique que le tape fait là, hein, c'est qu'il a besoin d'un gouvernement qui passait en bas, hein, sans débat. Et pour être capable de bagaille dans même pour être devant les Nations Unies. Pour être capable de dire que, bon, l'arrivée de ce gouvernement et que la paix, la démocratie, la stabilité. Heureusement, le peuple vaillant, eh bien, sorti dans la rue, hein. Eh bien, je dis à M. Gutiérrez, mais ça va arriver très droit, de mon côté, là, savoir que le peuple haïtien, effectivement, il n'est pas d'accord que Jovenel Moïse a représenté. Son gros victoire, victoire, non seulement pour mon cap commun, depuis pratiquement, j'ai des caporales dans le pays pour mes aides, mais surtout pour Silayo, qui depuis pratiquement 2 ans et demi, dit, eh bien, côté Jovenel, la pmen au pays à là, et pas, on peut côté la pmen. Pas oublier, non, Louko. Mon cap parle là, il y a un droit pour le parler, puisque, c'est dans le micro, dans le micro, matin débat. Nous, peut-être courage-nous à demain, on te dit, peut-être que Jovenel t'a parlé de gouvernement inclusif après le départ du CEAN, peut-être que une frange de l'opposition t'a parlé de déchouquer Jovenel Moïse, nous te dit nous-mêmes, nous sommes pour une cohabitation politique. Très bien, très bien. Et une proposition soutenue par Martin Débat. Ouais. Malheureusement, monsieur Ali, pas attendez. Qui ça nous dit? Nous te dit, seul moyen, et c'est le constat de Odeb Haïti, c'est le constat de Louko Désir, Matin Débat, Esaïe, l'Occident, t'as tout, nous te dit, à partir de 6-7 juillet, seul moyen pour Jovenel d'arriver à diriger Haïti, pour qu'il arrive dans une cohabitation politique. Claire, nous te dit ça. Côté que, d'un côté, l'opposition, pas bien, moyen politique pour te jeter gouvernement. De l'autre côté, Jovenel Moïse échoué. Et comme l'intérêt commercial Haïti, nous n'avons pas joué une commune mesure pour nous diriger le pays. Malheureusement, il n'a pas écouté. Il y a délanté. Et deuxième fois, nous sommes mal rencontrés le palais national, Monteville. Président, vous voulez mettre au gouvernement? Nous n'avons pas venu là pour venir parler de gouvernement parce que. La formation d'un gouvernement est le dernier chapitre du livre qu'est la crise politique actuelle. On va résoudre la crise à l'Ouko. Et vous pensez qu'on va mettre le gouvernement sous crise? La crise a porté le gouvernement? La difficile. Alors, avant de nous retourner sur Assad, vous ne pouvez pas dire rien pour le monde qui perd des positions. Parce que non, je m'en vini. Il y a des gens de choukaï. M'en vini. Ouais, hier, par exemple, il y a un bien qui pillait. Des business qui crasaient, que nous déplorons en tant que démocrates. Ce n'est pas ça que nous souhaitons pour le pays. Au contraire, nous souhaitons un pays côté que le droit pour nous faire business garanti. Nous souhaitons un pays côté que le droit pour nous riche garanti. Nous souhaitons tout un pays côté que le droit pour la classe moyenne est garanti. Mais nous souhaitons tout le droit pour la majorité de monde qui vivent dans la classe, qui pas jamais manger. Doit pas tout garantir. Ça passe là. Ma résumé dans une phrase. La violence des oppresseurs engendre tôt ou tard la violence des opprimés. Ou pas c'est Mounz qui prend la rue là, qu'on roule avec Mounz du cas de position. Quand on comprend, même qui est ce cas de position là. Oui, mais c'est ça, c'est samedi matin. Hein. Mais maintenant, okay. c'est en pile frustration. Et puis, le fossé est trop grand entre Mounz qui est avec Mounz qui va gagner. Comment garde mon pays, Louko? Monsieur
qui gagne 95% de richesse pays à nommé, pas comprendre que si on pas lâcher du lest, pays a explosé. Quand sur en Haïti pour nous peuple lever nos situations aussi misérables, de 365 jours, imaginez quand même une fois par jour pour accepter situation non. Ça qui passe là, quoi ça qui passe? Mon cap de réflexion au premier degré. Mais il y a que ce qu'on va gagner, il va le condamner. Mon qui se cache, il va le condamner, mon qui pille. Mais comment il va oublier? Il va oublier que, aujourd'hui, toutes conditions réunies pour explosion sociale que nous pouvons parler de lui avec longtemps. Oui, très longtemps. Bien, bien. On a parlé de ça. Ça, c'est des signes avant-coureurs de ça qui peut arriver. Les 24 heures de temps, les 72 heures de temps, toutes conditions réunies pour payer à exploser avec toutes les conséquences que ça a gagné là-dedans. Et je rappelle que je dis, c'est pas nous-mêmes de l'opposition qui est responsable. Mm-hmm. C'est pas peuple responsable. Bon, on est qui dépend pouvoir, qui marche faire campagne, qui dit, la vie change ça, qui dit, il peut mettre manger dans l'assiette, qui dit, il va mettre le cob dans le poche monde. Mais 2 ans et demi plus tard, c'est la misère, c'est le chômage, toute poche vide, toute assiette vide. Mais ça qui est grave là, c'est de quel espoir, Louko. Ou t'es capable de nous barrer qui mieux, oui. Mais il n'y a pas d'espoir. Je dis, là, quand t'es ouvert un bon succursale de côté où on fait passeport, nos perspectives justement, pour des bas jeunes, on fait passeport pour le coup, qui est à Haïti. Parce que peut-être pas, yo. Si on fait un coup à Haïti, pas de manifestation. Si on fait un coup à Haïti, il va prendre à plein nos oreilles. C'est seul pays d'Haïti, le gouvernement, comme si vous n'avez pas fait pas sur tout le monde, oui. États-Unis, tout le monde en fait. Il doit gagner 18 euros pour le passeport, oui. Il passe pas seulement pour voyager. Mais en Haïti, sur notre politique, ils ont ouvert un passeport pour tout le monde courir. Ils prennent un passeport, jeter ou quitter le pays. Je dis à même vous sur le Chili, le Brésil, si tu as changé, vous pouvez retourner dans le pays d'Haïti. Mais je dis à, il n'y a pas d'espoir pour Haïti. Je déplore au nom de l'Haïti les casques qui ont été enregistrés hier, mais cependant, la responsabilité incombe au gouvernement. C'est Jovenel Moïse qui est le principal responsable avec tout le monde qui a supporté lui. Et m'a dit, on va gagner là, loco. Ouais, on a dit ça longtemps, mais on a vu la radio, mais Mathieu Débat. Ouais, très longtemps. L'émission, hein. Si pas guerrier qui fait, si pas une décision qui prend, tant que Jovenel a fait résistance pour le Kembe pouvoir, bon, garanti. D'ailleurs, il n'y a pas de solution. La mené pays à droite, bien, nous éclatement, avec toutes conséquences que ça a gagné là-dedans. Eh bien, on gagne civil tout. Et nous prenons ça, on gagne civil. Mm-hmm. Parce que même nous bagarre, même des îles de gens, des îles, nous sommes dans Miko. Alors, on dit bien, c'est bagarre qui fait. Ouais. C'est bagarre qui fait. Et nous dit, et des îles de Miko, nous ne pouvons jamais entendre. Nous dit, il y a deux solutions à crise pays d'Haïti. Ce soir, nous sommes allés vers un compromis historique pour éviter la guerre. Je l'ai écrit dans un document. Ouais. Ou bien nous faisons guerre. Ou bien la guerre. Eh bien. Il y a des pays qui sont passés par là. Ils ont fait la guerre. Finalement, nous comptons que, après la guerre, nous comptons que des cadavres. Et puis nous disons, et bien, nous ne pouvons pas le pire que ça. Et puis finalement, nous allons accepter de négocier un nouveau contrat social pour jeunesse à Kabini. Okay. Je pense que nous acceptons aujourd'hui. Comment est-ce qu'il accepte que le baril gaz est trompé dans la couille marchée montée des cendres de gaz? Comment est-ce qu'il accepte que le baril gaz est acheté baleine? Nous ne pouvons pas accepter que nous ne sommes pas bêtes. Ah ben, ça fait moi dit à l'heure, Assad, pays a pas lock seulement. Ok, l'esprit pi fort moun nan pays a lock tout. Ok, pi fort moun nan pays a lock. Parce que si esprit nous pas de lock, nous pas de plan dans la situation que nous la donne aujourd'hui. Et là, m'a parlé de moi d'un Jovenel là seulement, non? Voilà. Parce que son côté nous sorti pour nous arriver là. Donc, absolument. Si l'esprit pi fort moun nan pays a pas de lock, nous parlons de gagner l'État pays, ça, là, je veux dire. Peut-être nous n'avons pas gagné Jovenel Moïse, tout, comme président. Nous devons peut-être gagner le président. C'est de nous, bon. OK. Nous devons prendre la responsabilité pays, ça qui a passé là, pour nous donner un seul gouvernement responsable. Bien. C'est un échec de 30 dernières années, bien.
à un niveau ou à un autre. Mais cependant, l'œil équipé acheter qui arrive, exactement, moi dit, il y a un bagage pour nous corriger. Et ma, là, je parle avec toutes les deux politiques. Yo. Nous pas qu'à parler de Jovenel Moïse pour nous parler de deux ans et demi de pouvoir. Eh bien. Nous sommes à 7 ans et demi de pouvoir de PHTK. Clair. PHTK, il y a 7 ans et demi au pouvoir. Donc, il y a 7 ans et demi d'échec. Je te viens là, je te dis, il n'y a pas de changement. Mais cependant, même lumière changement. Nous avons des miracles. Mais cependant, nous voyons côté. Je vais te dire, pas la voilà, Louko. Souvent, je fais transaction bancaire, nous ne sommes pas capables. Non, pas capable. C'est fini. Souvent, je fais transfert, nous ne sommes pas capables. Non, pas capable. Souvent, je fais. Hier soir, je fais un début de la caillou. Ouais. Nous, je vais te faire un bac arrivé. Ouais, parce que gaz. Bac et gaz. Ouais. Donc, au combien est-ce que là? Alors, nous, calme loin. Sous maladie, là, sous cabane hôpital. Et qu'on prescription, parce qu'il faut à la banque pour faire un tirage. Ils vont en transfert par où? Donc il faut qu'on prenne un transfert en côté. Donc on n'est pas capable de faire maladie ça. Attendez. Médicaments, non? Je dis. Vous avez dit. Le pays a fermé là. Vous avez dit. Mais non, pas le mouvement que le pays. C'est qu'on a des mouvements. Ou bien c'est ce dégât que les patrons, les responsables des banques, ça n'est pas ou bien c'est de guetter le cœur, vous ne pouvez pas faire mes transferts. Non, vous dites de guetter le cœur, chaque fois que vous avez gagné deux partis politiques là-dedans, c'est aussi clair que le pays va mal, le pays n'est plus dirigé. Non, écoutez, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien. Au contraire, aujourd'hui, il y a ces manifestations, ces protestations, cela n'est pas bloqué, et bien, le pays est bloqué. Je le dis à vous, je vous avais précisé, Louko. Vous êtes là qui est important, oui. Vous combien de monde qui mourir là parce que vous avez un transfert? Oui. Vous n'avez pas joué ni, puis à l'hôpital? Mais c'est vrai. Vous avez combien de monde qui ont une transaction pour faire l'étranger qui a perdu le business? C'est vrai. Vous avez combien de monde qui commande des containers qui ont pourri la douane? C'est clair. Vous avez combien de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui ont des bagages dans la douane pour détendre pas qu'à douane? Parce qu'on voit l'état irresponsable qui est en situation incontrôlable dans le pays. Je dis que c'est pas l'opposition qui est responsable. Nous ne pouvons pas diriger le pays. Ou alors, par nous, c'est contester, c'est dénoncer. Le pouvoir gagner pour le résultat. Je dis à ces bons amis là, qui t'aiment garder 5 gallons de gaz, moi qui prends un gaz dans la rue, hein? Bon, moi je prends peut-être comme exemple. Mais combien de monde dans le pays là? Je dis à M. Arnaud, je vais vous monter gaz. Eh bien, c'est de qui est-ce? Alors, l'heure, je vais vous monter diesel là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est pas grave. Parce que je ne prends pas la voie là. Une bonne partie de transport en commun qui a fait, notamment le transport en commun qui fait interurbain ou bien interdépartemental, tout type ça, c'est des alliés, oui. Eh bien. Et puis, par exemple, lorsqu'on a 4 gouttes sous gasoline, et puis on va passer dans notre tété. Oui, mais on va passer dans notre bêtise. À Sarouabda, à Kotou, et Gaz Haïti, en partie, c'est ce domaine là. Est-ce que je veux dire qu'on va continuer à payer gaz pour Saint-Domingue. Il y a 15% dans le gaz à Saint-Domingue, mon frère. Oui, attendez, mais bon, vous question pour me poser, Louko. Qui j'ai un gaz à Saint-Domingue? Côté l'État. Côté mon gars dirigé, yo. Moi, ça va garder que gaz à Saint-Domingue. Gaz à Saint-Domingue parce que pas l'État. Je dis, le coup de l'ordine, il faut qu'on monte gaz parce que il monte sur le marché international. Vous pensez que le peuple haïtien, si il était un gouvernement monté gaz, et bien parallèlement, comme taxi pour le pays là. C'est route qui peut le faire, c'est l'hôpital qui peut le faire, c'est l'école qui peut le construire, c'est que le cap fâché pour ça. Avant qu'il ne paye sous la terre, nous devons payer taxes, non? Oui, c'est ça le problème qui vient dans la question gaz. Parce que l'argent, par contre, ça l'argent va le faire. Non, où dit nous par contre, nous connaissons. L'argent prend la poche, monsieur. L'argent prend construire Caïbon en mer. L'argent prend faire Caïman ami. L'argent va continuer à enrichir 7% de monde. Donc, avec 15% de monde, on va pas l'avoir la matinée. Pas tes cordes avec 25 gouttes, 25 gouttes. Et le pipi tu crées une place là, n'est-ce pas, c'est qu'on va donner des gouttes. Le pipi tu as ça. Le pipi tu as ça. Le pipi tu, mon cher. Le pipi tu as ça. Je viens peut-être manger. Chez Jean, bon, t'es qu'on a acheté. Bon, la rue, mon cas dans l'état. Chaque midi, la rue, ça change chez Jean. T'es qu'on a 100 gouttes.
T'es 150 gouttes vivantes. Il y a un quiz pour le zèle pour ce tête-là. Assad, on nous finit. Pays accrasé. Ok, on nous finit, Assad. On dit que si pas gagné qui fait, donc c'est fini. On va tout droit. Ok. On va tout droit. Moi-même, je pensais que nous l'avons déjà maintenant. Pas gagné pour faire là. Ça veut dire que là, ou d'accord que, parce que matin, on va continuer à suivre l'émission Matin Débat, nous parler justement, nous avons un sénateur Rudolf Joasil qui croit que je dis, Foutula Michel doit faire un sacrifice patriotique. Bon, pour le temps. Vas-y. Il croit que Foutula Michel t'a dû faire un sacrifice patriotique. En fait, pour le mm-hmm. Daouti école. OK? Mm-hmm. Et puis, pour nous aller vers un accord politique. Est-ce que vous pensez que ça qui vient pour faire là, il est capable d'aller, donc nous capable d'aller vers un accord politique? Je l'ai proposé cet accord politique. Et peu pas ici, on doit prendre un témoin. Ouais. Parce que plus qu'un an au départ d'Haïti, et Martin Débat l'a soutenu. Ouais, ben c'est clair, c'est clair. Nous proposer un accord politique pour ne pas arriver là. Très bien. Nous t'ai dit, Jovenel Moïse, désormais, vous n'êtes plus seul maître à bord. Il faut trouver un accord politique. Il a dit ça. C'est que tu n'as pas même mangé, moi. Oui, je me souviens, mon cher, je me souviens. Moi, je mangé ça sur la graisse, c'est moi. D'ailleurs, c'est nous qui t'es campé de ça, et qui fait que... Absolument. Et puis devant. Parce que je me dis, écoutez, ça qui était important, monsieur le pays, un accord politique, il y a un an de ça, il était possible, mais je ne le dis pas. Mais comment faire un accord politique là? Le matou d'abord. Comment faire un accord politique à un nec qui peut être pris, qui champion dans le menti? Ouais, non, mais si pas un menti la donne, elle dit, si. Non, si, mais attendez. S'il décide de faire le vrai, je dis là, et que pas un menti la donne, j'ai calé, j'ai danger. Donc, il y en a gardé. Mon cher Gonra, il y a un Kafou, qui est le Bouyara. Il y a une musique, Joubaré. Ouais, moi c'est Joubaré et Jovenel. Joubaré. Et ça, écoute, là, ça va bien. Oui, très bien. Comment c'est le bâtard? Comment c'est le bâtard? Je vais Michel. Non seulement, ça peut le passer, là, nous allons obliger, je vais l'obliger à quitter pour moi, parce que je ne vais pas diriger, parce que nous sommes obligés de compter, nous ne voulons pas voyager. Est-ce que c'est le trop tard pour lui aller dans un accord politique? Moi, c'est le trop tard. Et trop tard, très bien. Moi, c'est le trop tard parce que passion est déjà aiguisée. Et pas rien confiance encore, puisque Jovenel Moïse, il s'est révélé un fier sémenteur. Donc, pas mon cap fait le confiance, dans le cadre d'un accord politique. Et deuxièmement, moi, je dis. Moïse, pas quoi. Problème, c'est là pour nous dépasser. Pas qu'il dit, président Jovenel Moïse, je dis, c'est une opportunité pour nous tout rebattre 14 ans pour toutes. Ouais. Et nous ne pouvons pas parler de retirer Jovenel pour nous prendre pour voir venir Juno. On a parlé de profiter de Jovenel qui a échoué pour nous poser la base d'une nouvelle société. Pour nous faire une conférence nationale, pour qu'on puisse permettre que nous relançons ce pays, parce que le pays, ça a gêné là. Au-delà de Jovenel, pour me préciser, n'importe quoi, comme il était là, nous avons garanti le pari pour l'échouer, parce que le système, c'est un système qui pourrit, ce système qui garantit l'intérêt aux minorités contre la majorité. Et nous disons, notre cadre, éclatons le système ça, pour qu'on fait un jugement pétro-caribéen, pour juger tout, mais qui corrompu, mais qui ne quitte scolaire, mais qui ne. Et comment est-ce que dans l'école? Non. Vous n'avez pas besoin de programmer. Vous n'avez pas besoin qui voler l'argent à l'école là, faut payer pour ça. Vous qui voler les kits scolaires, faut payer pour ça. Vous qui voler l'argent de l'école, faut payer pour ça. Et ça, c'est justice qui doit faire parce que Louko, 215 ans après l'indépendance de ce pays, il n'est pas normal pour jeunes dans le pays. On crie réflexion. Mettons son passeport, mettons visa pour jeter. Et pas même pour nous côté de l'école. T'as dit tout? Pas de mieux, pas de plus mal que Haïti. Quand on a la guerre libre. Eh bien, donc, nous avons une responsabilité comme leader de l'opposition pour nous dire la rue, pas molle, pas de violence. Mais cependant, il faut que la mobilisation soit active pour nous arriver justement à côté de Bralia. Et je dis bravo à tous les militants, dans tout ghetto, tout les de la classe moyenne qui comprennent aujourd'hui, parce qu'on va continuer comme ça pour Kimbe flambe mobilisation dans Port-au-Prince, dans Côte-d'Ivoire, dans CEMAC, dans Cap-Haïtien, dans 10 départements pays, parce que le moment arrive pour nous finir avec quelque chose en faire pour tout. Eh bien, et, donc je dis à part une manifestation, il y a une manifestation demain. Nous toujours maintenant, même mot là. Vous êtes passé aujourd'hui à là, grand mouvement population, mais je que le mouvement monde fou. Le mouvement ça va manquer la sortie de la banque. Eh bien, d'accord. Ok, merci en pile la salle.